Mes chers parents, je vous envoie cette lettre pour vous expliquer qu'à l'heure où vous lirez cette lettre, je serai parti pour un long voyage, car demain, mardi à 6h, c'est la dernière sortie. J'espère que vous ne souffrirez pas trop de cette disparition. Le destin est tragique. Il faut que vous soyez, comme moi, fort et courageux. Pas une larme de trop, je n'ai versé. Ma petite maman chérie, je te demande pardon du chagrin que je vais te causer. Je n'ai pas besoin de te dire que je ne mérite pas cela. Ton cœur de mère le sait déjà, mais je ne veux pas que tu souffres trop de ma disparition. Il faut être aussi forte que moi, que l'approche de la mort ne fait pas trembler. Un Français sait mourir, surtout un innocent. J'ai demandé pour les derniers moments un prêtre. Je ne partirai donc pas comme un chien, puisque j'aurai les sacrements de l'Église. J'espère que, dans ton malheur, tu seras contente, ma petite maman, de savoir qu'un prêtre m'a aidé à passer le cap final de la vie à 21 ans. Maman, je serai toujours près de toi. Promets-moi sur mon âme que tu seras forte pour permettre à notre cher petit bébert de devenir un homme. Reçois, ma petite maman, les gages de mon affection qui jamais n'a failli à ton égard. Mon petit papa, pour toi c'est autre chose. Tu es un soldat. Tu sais que je pars sans faiblesse et sûr de mon innocence. Je saurai mourir comme meurt un Français. Quant à mon logement et à mes meubles, prenez-les pour vous ou vendez-les. Mais j'espère qu'en souvenir de moi, vous les garderez. Si bénéfice il y a, je demande à ce que mon petit bébert les reçoive. Mon cher père, je vais te quitter en t'embrassant bien fort et je compte sur toi pour soutenir maman et pour faire savoir que jusqu'au bout, j'ai été un vrai Français. Je n'ai eu, ni pendant le jugement, ni après, ni au moment du départ, une seule défaillance. Je viens de recevoir l'absolution d'un prêtre et je vais recevoir la communion. Dis à tante Marcel que je vais mourir avec le bon Dieu et en pensant beaucoup à elle. Mon petit bébert chéri, rappelle-toi souvent de ton grand frère et sois très courageux. Aide maman à soutenir sa douleur. Sois son aide, son soutien. Remplace-moi auprès d'elle. Ne trahis pas la confiance que j'ai mise en toi. Tu es maintenant un petit homme, sois un grand Français. Je te prie de dire à tous mes amis et aux tiens que je suis mort courageusement. Cher petit bébert, je t'embrasse du plus profond de mon cœur et emmène avec moi un très doux souvenir de notre vie familiale. Dites à notre chère famille que ma pensée est partie longuement sur chacun d'entre eux et que je vous prie de les embrasser tous. Votre fils, qui vous demande pardon de la peine qu'involontairement il vous cause. Henri Gautherot.